Apéro! Allez, allez! Hop là! Hey, on est là! Présent! Présent, pour l'apéro, ça y a du monde, hein? Dis donc, les Juliens, la vidéo de Noël, on n'a rien fait cette année encore? Oh putain! Ah ouais, puis alors, dis donc, on en a des demandes, hein? Je peux dire qu'on est attendu là, ouais, hein? Pareil, on m'en a demandé plusieurs fois. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un court-métrage? Ouais, c'est un peu tard, hein, que... ça va prendre du temps. Une séance photo à la neige? Il y a de la neige dehors? Il n'y a pas de neige dehors. De neige dehors. Nul. Ah, non, je sais, on fait un vlog à l'atelier au hameau du Père Noël. Un vlog. Quoi? Un ouais, vlog? Non, mais laisse tomber. On arrive en 2020, vous vous rendez compte? C'est la fin d'une décennie, 2010-2019. Peut-être qu'on pourrait se pencher, faire un petit bilan. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, pas bête. On a eu quand même tremblement de terre à Haïti, plus de 230 000 morts, le volcan en Islande, là, au nom imprononçable. Vas-y. R-H-J-Schmerfall. Et Jaffol. Ça m'étonne, mais bon, on a compris. Je suis pas sûre que ce soit ça. Ah bah bon, n'oublie pas, c'est quand même l'année où tu as eu ton CAPES. C'est vrai. Et c'est pas rien. Bon, bah, un CAPES, hein. Du premier coup, hein. Et on est fiers de toi, allez. Ah bah 2011, c'est pas les fiançailles, le mariage de Kate et William. Ah oui, c'est vrai. Là, j'avoue. Dans le même genre, il y a l'affaire Strauss-Kahn. Ah oui. C'est 2011, ouais, ça. 2012, c'était la première fois que la calotte glaciaire du Groenland là a fondu à plus de 97% pendant l'été, quand même. Hein. Merci le réchauffement climatique. Okay. En 2013, il y a le mariage pour tous. Belle avancée quand même, hein. Ça fait plaisir au niveau de la société, ouais. Belle avancée. Ouais. Non mais allô quoi, c'est quand même l'année où Nabila s'est fait connaître. Hein. C'est vrai. Parce qu'elle est tombée sur une fille qui n'avait pas de shampoing, et franchement, c'est comme si elle tombait sur une fille qui n'avait pas de cheveux. Exactement. Hein. Centième Tour de France, qui c'est qui a gagné? Froome. En 2014, t'as plus de 3000 migrants qui vont périr en mer Méditerranée. Vous vous rendez compte? Plus de 3000 migrants. En tout cas, 2015, incroyable année au niveau scientifique. Ah bon? Parce que ça a été la première fois qu'on a réussi à détecter les ondes gravitationnelles. Enfin, quand je dis « on », c'est vrai que moi, j'étais pas trop en équipe. Hein. C'est vrai que... Einstein l'avait prédit. Ouais. Froome qui gagne le Tour de France. Il y a eu Charlie début d'année, et puis on a terminé avec le Bataclan. Vous vous rendez compte, c'est quand même. C'est difficile pour la France. Ah ouais, non, mais là, 2015, les attentats, non, mais ça c'est terrible. Oh là 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 là, moi je me souviens. Ouais. En tout cas, moi j'ai eu mon master en 2015. Ah bah dis donc! Ça va aller! 2016, qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Moi j'ai une petite idée. Encore? Putain, mais il a gagné combien de fois le Tour de France? Ah bah, pas qu'un. Quand même, ça a été les accords de Paris. Alors, on parle de réchauffement climatique, on parle de tout ça. Les accords de Paris, c'est pas rien, hein, en 2016. C'est vrai, mais Trump a été élu président. L'année suivante, 2016, il sort justement les États-Unis des accords de Paris. C'est un vrai boulet. Ah ouais, le boulet, ouais, t'as raison, c'est un vrai boulet. Ouais. Ouais, il me semble que c'est aussi l'année où vous avez commencé à vous luger. Commencer par le Pérou. Parce que les deux retraités, là, ils ont commencé à partir. Je vous rappelle quand même qu'il y a aussi Froome qui a gagné le Tour de France. Si, je sais, année des Gilets jaunes 2018. Mais par contre. Gilets jaunes, attends. C'est Froome. On sait, Noël. Froome. Bah non. C'est Yann Thomas. Et 2018, au niveau sport, il y a quand même eu la France championne du monde. Ah ouais, si je me rappelle. Et 1, et 2, et 3, 0. On est champion. On est champion. On est 98, ça, 1, 2, 3, 0. Ce qui nous amène en 2019. 2019, c'est chaud 2019, parce que déjà, juillet a été enregistré, moi, le plus chaud dans le monde. On atteint des records. Ça fait peur. On a eu chaud. Ouais. Et c'est vrai que le feu de la cathédrale de Paris, Notre-Dame, ça n'a rien arrangé la chaleur. Non, ça n'a pas aidé. Mais quelle horreur cet incendie, oh là là, ça m'a fendu le cœur. Ni l'Australie d'ailleurs. L'Australie. L'Australie en feu, ça n'a pas aidé. Ouais, c'est déjà chaud là-bas. Et le poumon du monde, là, l'Amazonie. Hein, l'Amazonie, mais c'est catastrophique. Vous oubliez. Et la mairie d'Annecy aussi, la brûlée. Ah, là, en effet. Ce qui nous amène aujourd'hui. Et on va bientôt démarrer 2020.
Bon, bah on trinque à qui? Eh ben, on trinque à 2020. À la nouvelle année. À la nouvelle année, à 2020. Qui pisse les Juliens? Ah, qui pisse pas tout. Qui pisse les Juliens? Santé! Santé à tous! Santé! Et bonne année! Et bonne année! 2020! On a zappé la vidéo de Noël. On commence pas à commencer ça, on va refaire. En plus, c'est toi qui es censé le dire, papa. On est foutu. Ton anti-sèche n'est pas assez efficace. T'as l'Amazonie aussi, hein. Hé, hey, la mairie de Paris. Ah merde. Bon bah...